Salut à tous, on se retrouve pour définir ensemble aujourd'hui le kilomètre 5 de ce parcours de l'Urban Trail de Poitiers. Comme vous le savez, et vous avez été nombreux à voter jusqu'à maintenant, on vous fait des propositions et c'est vous qui choisissez. On y va ensemble, on regarde quelles sont les propositions pour le kilomètre numéro 5. Pour cette nouvelle édition, une proposition complètement indécente. Pourquoi? Parce qu'on va vous faire passer dans la cathédrale. En plus, un samedi après-midi, au milieu de la messe, on est en pourparlers, ça devrait se faire quand même. L'orgue devrait jouer au moment de votre passage, vous les coureurs et vous les marcheurs. Et puis, je vous le dis, mais ça reste entre nous, il y a une petite surprise. En plus, il y a un souterrain qui part de sous la cathédrale et qui va jusqu'au baptistère Saint-Jean. Je ne vous ai rien dit, mais votez pour moi. Merci. C'est sérieux ton histoire de souterrain? Mais non, mais c'est des conneries ça. Mais j'aimerais bien qu'ils retiennent ma proposition. Donc j'y vais, je mets un petit peu le paquet, quoi, tu vois. Ah, c'est une technique, je te la donne. Hein. Si vous aussi, vous n'êtes pas insensible à ce lieu, le baptistère Saint-Jean, je vous propose, et c'est ma proposition, de vous y arrêter pour le ravitaillement. À l'intérieur, à l'ombre, au frais, vous pourrez déguster du sucré, du salé, vous réhydrater. On essaiera juste de ne pas en mettre partout. T'en as rajouté là? Tu fais comme moi, tu mens pour avoir des votes. Mais j'ai pris le tuyau. C'est super, tu l'as bien pris en plus. À cette partie de la course, je vous propose de découvrir le monde qui nous entoure en traversant l'espace Mendès France, mais surtout de courir sous un ciel étoilé, plus de 4000 étoiles, sous le planétarium. Et là, je vois déjà vos yeux qui brillent. Alors 1, 2 ou 3, maintenant c'est à vous de voter dans les commentaires. 1, 2 ou 3, c'est pas plus compliqué que ça. On a prévu du salé, on a prévu du sucré. Et bien sûr, vous déshydratez. Déshydratez ou vous hydratez? Vous hydratez.